Nang's Reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soborn. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et cette vidéo m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment épaté. Il s'agit de qui? Il s'agit de deux personnes. Deux personnes qui se sont mariées récemment. Frédéric Léonard et sa femme. Les deux sont des acteurs du Nigeria. Mais le problème, c'est ce que sa femme va dire ici. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a révélé le jour de son mariage? Qu'est-ce qu'elle a dit aux gens? Mes frères et sœurs, nous allons tout découvrir ici dans cette vidéo. Mais j'aimerais faire un bref résumé de ce que j'ai entendu. Elle a dit que les gens pensent que elle avec son mari il y a juste 2 ans. Ou bien 1 an. Vous voyez? Elle dit que les gens pensent que elle vient de gagner au jackpot. Mais la réalité, c'est que elle a vécu avec le monsieur en secret pendant 7 ans. Et durant les 7 ans, les deux ont connu tout. Même l'impossible. Elle était avec lui pendant que le gars n'avait rien. Elle le soutenait. Elle faisait tout. Mais elle dit que ce qui l'a amené même à croire en lui et à rester avec lui, c'était des signes qu'elle voyait. Elle voyait en lui une étoile. Une étoile qui va briller. Une étoile qui va briller dans le futur. À ce moment-là, elle s'est dit, même s'il n'a rien, il faut que je me mette avec lui. Et un jour, Dieu va faire pour nous. Voici comment elle est restée avec lui. Elle était avec lui. Et elle ne faisait que voir des signes qui lui disaient que cet homme, c'est avec lui que je peux rester. C'est avec lui que je vais passer le restant de mes jours. Et c'était qu'un signe. Elle nous dit que le monsieur, il priait et il invitait souvent à prier. Il priait tellement que elle-même souvent, elle n'arrivait pas à le suivre. Quand elle oubliait de prier, il venait lui dire, écoute chérie, viens, on va aller prier. Viens, on va aller prier. Elle dit que vraiment, mon mari, c'est un homme de prière. Il maîtrise la prière. Tous ces signes-là, ils étaient là. C'est là. Maintenant, quelques années plus tard, c'est-à-dire en ce mois de novembre, Dieu a fait. Et aujourd'hui, les deux sont mariés. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que les deux ont lutté ensemble pour arriver jusqu'à là où ils sont aujourd'hui. La femme, elle n'a pas écouté le conseil des gens. Les gens qui disent aux filles, oh, allez prendre les gars qui sont riches, ne faites rien avec les pauvres gars. Non, elle n'a pas écouté leur conseil. Elle a juste regardé le monsieur, son comportement. Son esprit. Et elle a cru en lui. Bien qu'il n'avait rien, elle a cru en lui. Elle a fait quelque chose en lui qui l'a mené à croire en lui. Ça, là, c'est plus que de l'amour. C'est une seule chose extraordinaire. C'est comme si les deux chemins étaient liés.
Elle dit que quand elle a rencontré le gars au départ, il était avec une fille. Mais il lui a dit, écoute, c'est toi que moi je veux épouser. Il a dit, c'est toi que je veux épouser. Et on lui dit, regardez. Elle lui a dit ici, lors de ce mariage, chérie, je ne te tromperai jamais. Je ne te tromperai jamais. Hé, la vie. J'ai été choqué. C'était une personne qui pleurait. C'était juste émouvant. Elle dit que c'est un conseil pour les jeunes. C'est un conseil pour les jeunes filles. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, même si cette personne n'a rien, et que vous voyez quelque chose de grand en elle, restez avec cette personne. Luttez ensemble et un jour Dieu va se souvenir de vous. Vous voyez ça? Vous voyez le résultat aujourd'hui? Qui l'eût cru? Personne ne savait que les deux étaient en couple. Je dis bien, personne. Mais aujourd'hui, on voit leur mariage. Regardez. Et c'est là, la femme étant assise juste là, au milieu là, elle a décidé de tout dire, se confesser et tout dire à son mari. Si vous comprenez bien anglais, vous allez bien comprendre ça. J'ai juste fait un bref résumé pour vous. Et juste là. Maintenant, allons-y plus loin pour savoir plus. Sometimes I get on his nerves and he thinks that I'm taking him for granted. Maybe I'm not. I'm just kidding. You can be silly sometimes. But I will love you. I will respect you. You will always be the crown on my head. You will be the man I ask for decisions before I make it. To everybody that you have fought my case for, God will fight my case for you. Thank you for waking up in the morning and saying, baby, let's pray. Friend, as much as you look good, you make me want to love her dog. Frederick doesn't stop praying. Sometimes I feel bad that I don't pray enough. Elle parle de son mari, elle parle de combien de fois c'est une bonne personne et comment il prie beaucoup. Et quand elle a vu ça, elle a dit vraiment, c'est une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. And so tomorrow, Frederick asked me, how did you know that I will get here? So to everybody, every young lady out there, if you have a guy that you like, you love him, he doesn't have money, please stay. Ouais, ça, elle dit que bon, elle dit que quand elle a vu Frédéric, il était avec une copine, mais bon, il aimait, bon, comme ce que je vous ai dit. Mais une chose intéressante, c'est qu'elle a dit que quand elle a vu en lui quelqu'un qui va briller demain, une étoile, bien qu'il n'avait rien. Il dit, ah, vraiment, sérieux. En tout cas, moi, je n'ai vraiment rien. On sait que toutes les filles dehors, elles cherchent les gars qui ont déjà l'argent. Tu vois? Et écoutons. Et les gens sont en train de crier. Listen to me. Encourage me. That is all that I have done all these years. It got to a point I thought that Frederick would not marry me. I'm like, Frederick, I'm a fine girl. You're wasting my time. Wait, I know there are rich guys chasing you. I will marry you. And babe, this has been a long journey. You will always be my best friend. Elle explique comment son mari a toujours été son meilleur ami. Don't fight, when will I fight this? We're shooting, I will call you for minor business, and they are shooting. I say, hey, what's going on to tell?
Thank you for being a brother to me. Merci d'avoir été un frère pour moi. Thank you for being my best friend. Merci d'avoir été mon meilleur ami. Thank you for being my supporter. Merci de m'avoir supporté. Thank you for standing by me. Thank you for not seeing me as someone who is not from your tribe, but you said yes, baby. I remember when I met my friend, but like, you will not marry an Alhambra guy, you will not be able to marry Urubus. But Freddy has kept to his promise. And babe, in front of the world, and everyone that is witnessing today, I want to say that from the belly of my heart, from the deepest of my heart, you know, I'm not a long talker like you, but you know that I love you. Thank you for planning our finance. Thank you for making sure that we grow together. Thank you for holding my hands and saying, hey, you're going to make a big mistake. Don't do this. I appreciate you. I'll always be a stubborn girl. You have to deal with it for the rest of your life. You'll always be a stubborn man, and I will deal with it for the rest of my life. But I will never cheat on you. Je ne vais jamais te tromper. Elle la remercie d'abord pour tout ce qu'il a fait pour elle, comment il a supporté, l'a soutenu, a fait tout. Et il a veillé à ce que les deux évoluent ensemble. Elle dit, moi je suis très reconnaissante. Sache que je ne vais jamais te tromper. Et les gens applaudissent. I want to say that God has blessed us. You and I know that God has blessed us. And we are grateful to God. He has blessed you. Il dit que nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a bénis. He has blessed me. And I want you to know that I love you. I will always love you. No matter what happens. As we go to fight. They say entertainers' marriage don't last. Don't last. Il dit que nous allons être une source d'inspiration pour les jeunes. We would love each other. We will show people how it is to love one another. We will have the number of kids we want. Il y a une femme qui pleure, même vous voyez, c'était moi, c'est émouvant. Il y a une femme qui est en train de pleurer là-bas. Elle explique comment son mari, en fait, comment son homme a été une bonne personne. Elle a cru en lui et regardez aujourd'hui. Elle n'a pas regardé au fait que le gars n'est rien, mais elle a regardé au fait qu'il y a quelque chose de grand en lui et que son étoile va briller demain. Elle a aussi regardé au fait que le gars aimait beaucoup prier. C'était des signes qui ne trompaient pas. Elle a écouté son cœur et elle a vu ces signes-là. Elle y a cru. Aujourd'hui, regardez. Tout le monde est sous l'émotion là-bas. Vous voyez, ça choque tout le monde. C'est juste émouvant. And for everyone that is here to witness our love, thank you. It's been 7 years. Et elle dit que pour toutes les personnes qui veulent vraiment savoir combien de fois nous sommes, bon, combien d'années nous sommes ensemble, il faut que je vous dise que nous sommes ensemble depuis 7 ans. Et ça, personne ne le savait. La relation de cet homme était vraiment très cachée. Personne ne savait. Jusqu'à la gens disaient sur les réseaux sociaux, ah toi, tu te maries quand? Ah toi, qui est ta femme? Ils sont même surpris, tout le monde est surpris ici. And Frédéric, you are not your wife. Elle dit, écoute Frédéric, maintenant nous sommes mari et femme. I love you. Et je t'aime. Yes. Elle célèbre et elle va embrasser son mari. Elle lui dit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour moi. Vraiment, c'est extraordinaire ce que nous voyons. C'est extraordinaire.
Vous voyez, la femme là, elle-même, elle prend le micro, elle dit, elle va parler pour remercier son mari. Elle va dire tout. Vous voyez, il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche à l'air là. Que la vérité. Je suis juste impressionné. Juste impressionné par ce que je vois, c'est rare. C'est très rare, hein. C'est pourquoi je dis qu'il est préférable que de rencontrer son partenaire dans les difficultés. Quand vous avez déjà l'argent, vous avez déjà le moyen. Parfois, il y a certains détails qui vous échappent. Mais quand vous partez des difficultés ensemble, jusqu'à arriver en haut, vous comprenez ce que vous comprenez là. Et ces deux personnes comprennent ce qu'elles comprennent. Elles comprennent que elles ont eu un parcours. C'était dur, c'était difficile. Mais aujourd'hui, Dieu les a bénis. Quel mariage, c'est vraiment un mariage impressionnant, très très impressionnant. On peut voir. Je dis que vraiment ça c'est plus qu'un mariage, l'histoire, le parcours, c'est plus qu'une histoire. Et les gens gravitent autour d'eux, ils sont autour d'eux, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas d'élévation sans difficulté. Pas d'élévation sans difficulté. Si vous voulez avoir des maris, tout fait, tout fait, tout prêt, ça sera assez compliqué pour vous à la fin. À la supporter le gars, à traverser beaucoup de choses. Surtout, elle lui a cru en lui. Elle a vu des signes qui ne tombaient pas. Elle dit que cet homme, même s'il n'a rien aujourd'hui, demain, il sera quelqu'un parce que je vois en lui quelque chose de grand. Je vois sur une étoile qui va briller fortement. Vous voyez ça? C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très impressionnant. Très, très émouvant. Très, 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 très émouvant. J'ai aimé. J'ai apprécié. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous. À vous mettre des partages et à tout le monde. Que les gens puissent comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Ce que les gens nous disent sur les réseaux sociaux, les gens chercher les gens qui ont déjà l'argent, c'est bien. Mais la réalité, c'est que ça ne vous conduira pas toujours à ce que vous souhaitez. Moi, je préfère vous dire, affronter les difficultés et faut marcher. Affronter les difficultés avec la personne que Dieu va mettre sur votre chemin. Et quand vous voyez des signes qui ne tombent pas, des signes, genre votre homme, tellement votre homme, bien qu'il n'ait rien, il s'est sacrifié pour vous. Ce sont des choses qui doivent parler. Ce sont des signes que vous ne devez vraiment pas négliger. Maintenant, regardez. Célèbre le mariage. Ils profitent. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour eux. Ils dansent, ils s'amusent. Ils peuvent célébrer de la joie, la richesse, l'argent, l'or, le diamant, toutes les belles choses. Mais n'oubliez pas qu'ils ont souffert pour en arriver. J'ai souffert pour arriver là, ça n'a pas été facile. Quand quelque chose est dur pour avoir là, le goût de ça est extraordinaire. C'est un goût hors du commun. Regardez. Vous voyez, regardez la femme. Regardez sa joie. Sa joie, elle est réelle. Sa joie est réelle. Et tout le monde vit sa joie. Elle transmet la joie aujourd'hui. La joie qu'on traverse les difficultés pour arriver là. La joie de ça. Hmm.
Félicitations, Marie. Félicitations à vous. Que Dieu bénisse votre union. Voilà. Qui vous permet d'affronter toutes les difficultés de la vie encore, parce que ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Que Dieu vous amène en haut et non en bas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. C'est ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you! N'en sois pas là. Soyez prêts!